Horace, veuillez vous lever. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good morning once again. Rebonjour à tous. Rebonjour à vous, monsieur le témoin. Maître Alti, tout à fait la parole. Merci, monsieur le président. Avant de commencer, monsieur le président, madame, monsieur, si vous m'y autorisez, je voudrais demander à votre chambre si nous pourrons probablement à la fin de l'interrogatoire de ce témoin, ou à tout autre moment que vous jugerez utile, si nous pourrons parler du prochain témoin, parce que nous avons compris, nous avons reçu aujourd'hui vers 10h30, un email nous expliquant que la visite de courtoisie aurait lieu demain vers 13h30. Ce qui veut dire que ça va poser un problème, si jamais nous terminons ce témoin aujourd'hui, pour interroger le prochain témoin demain. Donc je voulais savoir, si la, enfin je voulais demander à la Chambre que la Chambre nous donne sa vision des choses, c'est de manière à ce que nous puissions nous organiser. Mais on pourra le faire quand vous le souhaitez naturellement. You mean that, vous voulez dire que demain à 13h30, vous ne pouvez pas... Pardon, je vais reformuler. La visite de courtoisie précédant l'interrogatoire du témoin, et cette visite de courtoisie étant prévue à 13h30 demain, il n'y aura pas d'interrogatoire du prochain témoin P172 avant la visite de courtoisie. Donc, logiquement, pas avant vendredi. C'est-à-dire que si nous terminons ce témoin aujourd'hui... De toute façon... Donc, on commence et on termine le témoin vendredi. C'est comme ça. De toute façon, vendredi, on le commence et on le termine. De toute façon, demain matin, demain, on est quoi? Mercredi? Non, jeudi. Jeudi après-midi, il n'y a pas d'audience puisque la salle est occupée. Donc, on doit terminer ce témoin-ci d'ici demain. Et vendredi, on fera le prochain. Après la visite de courtoisie du jeudi, donc on l'entendra à partir de vendredi. Président, et vous y avez répondu de manière très claire, donc P172, le prochain témoin, ce sera vendredi, quoi qu'il arrive, vendredi. Regardless of what else happens. Très bien. Oui, et ce sera certain. Okay. Now you have the floor. Nobody else wants. Vous avez maintenant la parole. Je vois que personne ne souhaite prendre la parole sur ce point. Allez-y, Maître Altit. Alors, monsieur, nous nous retrouvons. Alors, vous nous avez expliqué que les convois se faisaient attaquer. Quelle était la consigne qui leur était donnée pour savoir comment réagir quand ils étaient attaqués. Étant donné que c'était des convois de ravitaillement, bien évidemment qu'il y avait un minimum de sécurité à bord, il fallait éviter le contact, voire le combat. Donc, quand ils passent et qu'ils essuient des coups de feu ennemis, deux choses principales. Ils se dégagent rapidement. On accélère. Et bien sûr, si les tirs sont sur vous et nourris, vous ripostez dans la direction pour vous protéger, pour permettre votre dégagement. Voici les consignes. Mais en aucun cas, vous vous arrêtez ou pour faire autre chose, pour combattre ou pour maintenir le contact. Très bien. Est-ce qu'au camp commando, sur place,
vous pouviez envoyer des patrouilles dans la zone autour du camp commando. Oui, comme je l'avais dit, au fur et à mesure, nos élongations se rétrécissaient. Donc nous nous limitons à faire des patrouilles aux environs, aux alentours de nos cantonnements, parce que le principe est le suivant. Pour défendre un point, vous ne restez pas sur le point. Sinon, il serait difficile pour vous de le maintenir. Il faut avoir une certaine distance que vous maîtrisez. Donc, à l'aide de patrouilles, on avait quand même, on pouvait faire face à cet état de fait. Alors, pour que ce soit tout à fait clair, vous avez dit que nos élongations se limitaient. Est-ce que vous voulez dire par là que le périmètre dans lequel vous pouviez envoyer des patrouilles, votre marge de manœuvre en quelque sorte, se rétrécissait au fur et à mesure? Oui, se rétrécissait au fur et à mesure. D'accord. Et si l'une de vos patrouilles dépassait le périmètre, en quelque sorte, si je comprends bien, de sécurité, si elle s'aventurait un peu trop loin, qu'est-ce qui se passait? Bon, j'ai fait une période là-bas. Il n'y a pas eu de patrouilles que j'ai lancées qui sont allées au-delà des limites fixées. Par contre, quotidiennement, la mission logistique, elle sortait carrément de notre périmètre. Et c'est celle-là qui se faisait très souvent tirer dessus. Très bien. Alors, là, on parle de patrouilles qui s'éloignaient un peu du camp lui-même. Maintenant, ma question est, le camp commando a-t-il été... Le camp commando en lui-même, c'est-à-dire l'enceinte du camp et ceux qui se trouvaient à l'intérieur, le camp a-t-il été attaqué pendant toute cette période? Durant ma période, le site en lui-même n'a pas été attaqué, mais celui qui m'a relevé, le colonel Nyamke, le même jour ou le lendemain, il a été attaqué à la roquette, au RPG. Très bien. Alors, lorsque vous étiez au camp commando, quels étaient les effectifs sur lesquels vous pouviez compter, effectifs des différentes unités, si j'ai bien compris? Quels étaient les effectifs, plus ou moins, pour qu'on ait une idée, quels étaient les effectifs à votre disposition, au camp même? Bon, ce que je peux dire, d'abord, le camp commando en lui-même a son personnel. C'est un camp de gendarmerie. Ce sont des commandos gendarmes. Ils avaient un capitaine qui commandait cet escadron, Donc, eux... Vous avez un effectif qui avoisinait les, je dirais, 150, pas plus. Et lui, il avait aussi des missions. Maintenant, les détachements qui étaient venus, qui venaient ponctuellement, pour être à la disposition du PC, effectivement, bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait en moyenne 6 à 7 sections. C'est-à-dire BCP, génie, BAE, police... pour un bataillon GR, Baza. Donc, ça tournait autour de ces unités. Et les effectifs variaient. Et les moyens roulants, j'en profite pour le dire, variaient parce que ces unités qui venaient ponctuellement appartenaient à des bataillons. Et ces bataillons étaient sollicités aussi ailleurs. Autant ces bataillons, je prends par exemple la GR ou le premier BCP, détachaient une section à Bobo, ces mêmes unités, ces mêmes grandes unités-là, détachaient aussi des sections et des moyens ailleurs. Donc, les effectifs variaient.
en fonction de la sollicitation des bataillons dont dépendaient ces sections-là. Très bien. C'est très clair. Est-ce que vous pouvez néanmoins essayer de nous donner un chiffre approximatif des effectifs à votre disposition lorsque vous y étiez, grosso modo, en tout, sans ceux qui étaient là, disons? Bon, c'était des sections. Normalement, dans une section, normalement, réglementairement, c'est 33. Bon, on peut aller jusqu'à 25. Maintenant, comme je dis, les effectifs fluctuent en fonction des sollicitudes, enfin, des missions qui ont été affectées. Donc, je peux multiplier 6 fois 25 ou 7 fois 25. Très bien. Donc 6 ou 7 fois 25, c'est à peu. Je détache toujours des groupes, 8 ou 5 personnes avec des armes, parce qu'ils ont des armes collectives. Pareillement, la GR, elle viendrait avec un engin, il n'y a pas 25 personnes. Donc, vous voyez, c'est un peu, ça fluctue, quoi. D'accord. Donc, on a bien compris, c'est un maximum. Et comme en plus, je suppose qu'il y a un roulement parmi les personnels, puisqu'il y en a qui se reposent pendant d'autres, que d'autres sont en service, etc. Est-ce que vous êtes capable de nous donner une approximation des personnels en service en même temps, vous comprenez? Pour avoir une idée de ceux qui pouvaient être immédiatement disponibles à une heure particulière de la journée. Bien, je pourrais donner peut-être l'articulation. Bon, le matin déjà, pour la mission logistique, je dirais comme ça que à peu près le tiers peut être engagé, sinon le quart. Maintenant, le reste. Il y a une partie qui occupe des postes pour la sécurité du camp. Et il y a une troisième partie qui va qu'à autre chose, soit au nettoyage de l'armement, ce qui peut constituer un repos, mais sur place, bien sûr. Et puis, ils sont prêts à partir s'il y a quelque chose. Donc, en termes d'articulation, un tiers, un tiers, un tiers, je dirais comme ça. D'accord. Alors, vous nous avez parlé du détachement du Baza, qui était au camp commando, et vous nous avez expliqué il y a quelques secondes qu'il n'était pas très nombreux. Est-ce que vous pouvez nous redire à peu près le nombre pour qu'on ait une vision claire des choses? Bien, le Baza, il était un groupe, pas plus de 10 personnes. D'accord. Et ce détachement disposait-il de mortiers de 120 mm? Non, le Baza n'avait pas, son détachement, qui était détaché à Bobo, n'avait pas de mortier de 120 mm. D'accord. Alors, hier, on passe à un sujet un peu différent. Hier, vous nous aviez dit que vous aviez des difficultés avec, concernant les communications, notamment les communications par radio. Et vous avez dit notamment, je vais vous citer, ce sont les transcrits français, page 27, ligne 7. Alors, question. Oui, pourquoi la communication était-elle difficile par ce moyen de communication? Vous répondez.
Eh bien, c'était un problème de moyens. C'était un problème de moyens, de matériel performant, je vais dire ça comme ça. Fin de citation. Alors, ma question, quand vous dites un problème de... Commençons par les moyens. Un problème de moyens. Est-ce que vous voulez dire par là qu'il n'y avait pas assez de radio pour toutes les unités? Bien, le problème de nombre de radios s'est posé, mais le problème qui se posait à Cuité, c'est la performance, la qualité de la communication, donc la performance du matériel. C'est beaucoup plus ça qui était handicapant. Très bien. Qu'est-ce que vous voulez dire par c'était handicapant la performance du matériel? Est-ce que vous voulez dire par là que le matériel n'était pas performant et ne servait pas? Enfin, qu'est-ce que vous voulez dire? Expliquez-nous un petit peu, s'il vous plaît. Bon, en vous disant que une armée régulière qui utilise des téléphones cellulaires portables pour communiquer en opération, bon, inévitablement, ça veut dire que son matériel n'arrive pas à jouer le rôle qui est le sien. D'où la performance. Donc on comprenne bien, ce que vous nous dites, c'est que les moyens de communication de l'armée n'étaient pas performants et que vous étiez obligé de remplacer les radios par des téléphones portables personnels. C'est ça que vous voulez dire? Oui, et je précise, téléphone portable personnel, mais les recharges étaient assurées par la cellule J4 logistique. D'accord. Est-ce que la question des écoutes des communications, soit radio, soit téléphonique, concernant les cellulaires, des écoutes par des services de renseignement étrangers, par exemple français, s'est posée? Non, je ne peux rien dire là-dessus. Des gens plus avertis, des postes qui intéressent cette préoccupation, on pourrait répondre, mais pas moi. Quoi. Très bien. Oui. Alors, revenons un instant sur le 3 mars. Vous nous avez dit que le premier à vous avoir appelé après le départ du convoi, pour vous poser des questions sur d'éventuels tirs de soldats sur un groupe de femmes, était le colonel Sacco. Une seconde, monsieur, je vérifie. Alors, si vous le savez, ma question est la suivante. Si vous le savez, est-ce que vous pouvez nous dire comment le colonel Sacco ou ceux qui vous ont appelé ensuite, qui l'ont suivi en vous téléphonant, comment ils ont appris l'incident? Est-ce que... Enfin, dites-nous ce que vous savez là-dessus. Le colonel Koku Sako René, chef CPCO, était le premier à m'appeler. Si je me souviens bien, il m'a dit qu'un personnel d'une ONG l'aurait appelé pour lui dire que effectivement des FDS ont tiré sur une marche de femmes à Bobo, si mes souvenirs sont bons. Donc je lui ai répondu que non. Si vous permettez, je vous interromps une seconde. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment de savoir comment tous ceux qui vous ont téléphoné à ce moment-là ont appris l'existence de l'incident allégué. Donc vous nous dites, pour le colonel Sacco, personnel d'une ONG, est-ce que vous savez de quelle ONG il s'agit? Non, je ne sais pas. Et pour les deux, trois suivants,
Par exemple, je crois que vous aviez cité votre ami Doumbia. Est-ce que vous savez aussi comment ils l'ont appris? Bon, l'information a commencé à circuler. Parce qu'une fois que le colonel Sako, chef CPC, au courant d'une situation de cette ampleur, mais l'information commence à circuler. Et le général Doumbia, qui était colonel, était chef du corps du premier bataillon. Donc, dans sa position, il est à l'écoute. Et comme je l'ai dit hier, bon, c'est un aîné, nous sommes très proches. Donc, il m'a appelé personnellement. Puis après, bon, l'information a circulé, bon, pris l'ampleur. Donc, plusieurs personnes m'ont appelé, pour ceux qui savaient que j'étais actuellement le chef PC à Bobo. Très bien. Monsieur McDonald. Présent, Monsieur McDonald. Le Monsieur McDonald. Je tiens juste à rappeler, mais je vais parler français. Pour rappeler, Monsieur le Président, les consignes qui ont été données hier aux témoins et à mon collègue, évidemment, s'il le faut, d'aller à huis clos partiel. Je m'en limite à cela, nous sommes en audience publique, mais nous sommes... C'est juste pour un rappel. Merci. Mr. Président, monsieur le témoin. Hier, au début de votre déposition, on vous a bien dit que si à un moment ou à un autre, vous ne vous sentez pas très à l'aise en audience publique et vous ne voulez pas prononcer certaines choses en audience publique, il suffit de nous le faire savoir et nous passerons à huis clos partiel. J'ai bien compris, Monsieur le Président. Ok. Maître Altit. Président, très bien. Merci, Maître Altit. Quand avez-vous été nommé à Korogo? Enfin, j'étais affecté à la 4e région militaire à Korogo en 2012. Très bien. Quelle était votre fonction? J'occupais la fonction de major de garnison. Vous êtes sûr de la date, enfin de la date de la période? Est-ce que c'était pas plutôt en 2011? Non, c'était plutôt mi-2012, parce que fin 2011, j'étais en fonction au COIA et j'ai fait quelques mois. Et à l'issue, donc, on tombait dans 2012, bien au début, puis j'étais affecté à la 4e région militaire, au Korogo. Très bien. Connaissez-vous un dénommé Fofier? Oui, c'est un militaire de FACI, Forces armées du Côte d'Ivoire. Quel était son rôle à Korogo? Il était chef de corps du 4e bataillon d'infanterie qui est basé à Korogo. Est-ce que vous savez quel avait été son rôle pendant la crise post-électorale? Non. Non, je ne sais pas quel a été son rôle. D'accord. Hier, le représentant du bureau du procureur vous a interrogé sur vos activités en 2002-2003. Je voudrais vous poser quelques questions de précision. Alors, première question, où étiez-vous affecté en septembre 2002? Enfin, août-septembre, vous voyez. En 2002,
J'étais capitaine. Je commandais la deuxième compagnie du groupement des sapeurs-pompiers militaires. Alors, je vous pose la question parce que je crois que le représentant du bureau du procureur vous a posé la question pour savoir où vous étiez affecté. Et vous avez fait d'ailleurs cette réponse après septembre. Moi, ma question, c'est en septembre et juste avant, pour qu'on ait une idée claire. Donc, c'était la même chose, c'est ça? Oui, c'était la même chose. D'accord. Avez-vous participé à des combats en septembre 2002? Bien, en septembre 2002, j'ai été, comme bien d'autres pompiers militaires, je suis allé au front. Enfin, j'ai été désigné comme d'autres militaires sapeurs-pompiers pour aller au combat. Vous avez combattu où? Bien, bon. Bon, il y a eu plusieurs choses, mais je dirais peut-être. Excusez-moi. Je dirais peut-être le fait, l'un des faits les plus saillants, c'est le combat de la ville de Mans du 1er décembre au 19 décembre. D'accord. 1er décembre au 19 décembre 2002, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, vous avez combattu à Mans, si je comprends bien. Contre qui avez-vous combattu? Non. C'est l'ennemi qui avait pris Mans. Et c'est contre cet ennemi-là que nous avons combattu pendant 19 jours. Et vous avez repris Mans? Nous avons repris Mans et nous l'avons perdu le 19. D'accord. Cet ennemi-là dont vous parlez, il venait d'où? Bon, je dirais, c'était l'ennemi conventionnel par rapport à la crise que la Côte d'Ivoire vivait. Donc cet ennemi a été déjà défini. Cet ennemi a été déjà défini à tous les échelons, au niveau politique, stratégique, opératif. Maintenant, nous, tactiques sur le terrain, on voyait à qui on avait affaire, c'est-à-dire en termes de moyens, en termes de capacités, et on l'a combattu, on l'a chassé de la ville de Mans. Et l'ennemi nous a repris la ville de Mans le 19 décembre. Alors, les troupes ennemies étaient composées de qui? D'où venaient-elles, etc. Bon, respectivement, c'est un peu la même réponse que je vais donner. L'ennemi, on a vu ses moyens, ses capacités, ses moyens de guerre. Puis bon. Je posais la question un peu différemment. Parmi les troupes ennemies, y avait-il à votre connaissance, outre des personnes originaires de Côte d'Ivoire, des personnes originaires d'autres pays? Bon, ça peut-être qu'on pourrait se retourner vers le service de renseignement, qui après coup, et il y a d'autres structures qui sont habilitées à faire ressortir tous ces aspects. Alors, Monsieur le Président, avec votre permission, peut-on passer en audience à huis clos partiel? Yes. Le juge président, bien, passons à huis clos partiel, s'il vous plaît.